Aujourd'hui, dans la mondialisation, les sociétés multinationales ont des pouvoirs sans égal. Ces sociétés exploitent en toute impunité les travailleuses et travailleurs, elles expulsent des populations, financent des milices armées, polluent notre planète. Elles le font en toute impunité car elles ont une capacité d'influence inégalée sur les gouvernements et les décideurs politiques. Elles ne sont pas tenues légalement responsables des violations des droits humains qu'elles commettent partout dans le monde. Souvenez-vous de l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013 à Dhaka au Bangladesh. Il y eut ce jour-là 1127 morts, dont la majorité étaient des femmes. À la recherche du moindre coût, les multinationales déplacent leur production vers la Chine, le Bangladesh, le Pakistan, le Cambodge, le Vietnam et d'autres pays pauvres en Afrique. Les conditions de travail nuisent à l'environnement, aux travailleuses avec des salaires de misère, une répression syndicale féroce, des accidents à répétition et l'exposition à des substances toxiques. Les multinationales s'engraissent. Les ouvrières et les ouvriers périssent. Stop à l'impunité des multinationales. En Turquie, les enfants syriens travaillent pour moins d'un euro de l'heure, en sous-traitance pour les marques Mango, Zara, etc. 70% des cours d'eau en Chine sont pollués à cause de l'industrie du textile. En France, entre cadence, pression constante, brimade, peur des licenciements, ici aussi, les salariés de chez Primark sont mis à mal. Au Bangladesh, 15% des enfants entre 6 et 16 ans, vivant dans des bidonvilles, travaillent 64 heures par semaine pour l'industrie du textile. Le Rana Plaza, plus jamais ça. La majorité des articles Primark est produite au Bangladesh, où les ouvrières et les ouvriers travaillent plus de 15 heures par jour pour seulement 80 euros par mois. Le vent de femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Changer le monde pour changer la vie des femmes. Changer la vie des femmes pour changer le monde. Et maintenant, plus que jamais.